Oui. Direct, on y va direct, on a plus rien à foutre. Paf. Riggedy Pog. C'était quel? Bien ou quoi, bon petit frotté? Excuse-moi. Ah oh ouais. Ça s'est bien synchronisé quand même. En haut à gauche, c'est Clem. Ouais. Et en bas à droite, c'est Max Pax. Excusez-nous pour ce départ explosif, j'ai envie de te dire. Mais c'est juste qu'en fait, hier, ils ont commencé à 10-15. Donc je me suis dit, je vais laisser finir la game d'SOS et Romarine. Et puis en fait, c'est qu'hier, c'était un retard. C'était pas un choix de planning. Ouais, ou alors ils ont été... Allez vite, cut par pif pouf pouette. Ouais, peut-être qu'ils ont juste été un petit peu longs, voilà, ils ont pris le temps de se dire oh, bah, c'est quand même cool d'être de retour en offline, ce genre de choses là. Malheureusement pas d'offline pour nous, pas pour cette saison là. Peut-être la saison prochaine, tout simplement. On espère dans tous les cas que vous allez bien. Moi-même, malgré le fait que j'ai commencé par le fait de tousser, bah en vrai ça va plutôt pas mal, voilà. Encore une journée en réunion pour préparer le congé paternité de la Yog. J'espère que toi aussi tu vas Est-ce bien. Est-ce que la journée nationale internationale de la bière t'a mis mal? Non, c'était très bien. C'était très okay. Très bien. J'ai entendu dire que t'as fait un draw cet après-midi sur ton stream. Attends, ouais, j'arrive juste, je ferme la fenêtre et je t'explique tout. Let's go là-dessus. La fenêtre fermée, boum, pas de loulou qui saute du 5ème étage. Du bonheur avant toute chose. Au poulet. Ouais, j'ai fait un draw tout à l'heure en ladder, ouais. Probablement le deuxième de mon histoire, je crois. Incroyable. Et. C'était terrible parce que c'était une game gagnée, quoi. Bah ouais, bah au moins elle est pas perdue. C'était une game gagnée face à quelqu'un à 150 DMMR de plus quoi, donc ça aurait été cool de la win. J'ai Sro, ça a draw. Terrible. Mais ouais, 45 minutes de game, écoute, c'était gaulerie. Mmh. Et on va voir si le draw aura lieu aujourd'hui. Je n'y crois pas trop, la question c'est Clem, à quel point il traverse le groupe comme un sauvage quoi. Est-ce que Clem déjà, est-ce que c'est le grand Clem? Parce que le Clem des DreamHack Masters, c'est pas le meilleur Clem en général. Ah bon? Il a gagné les trois dernières. Alors des DreamHack Europe, il a gagné les trois dernières, mais pas les Masters. Ah oui. Bah c'est alors les deux sont des Masters, mais là c'est la globale. Toutes les DreamHack sont des Masters, mais t'as la Masters Europe et t'as la Masters Global, you know. Ah ouais, Master Fall exact. Et ouais ma couille. Du coup ouais, bah le clan des globales, c'est effectivement un clan qui gagne pas. Hein. Ça fait partie des titres qui pour l'instant lui éludent un peu. Alors on a quand même cette tendance à s'extraire des groupes. La Summer il est mort en groupe. Et merde, ouais, terrible. Fini quatrième, il avait fini derrière Hero Marine, Time et Nib. Écoute, si on veut faire le viewer pessimiste, c'est potentiellement le pire groupe pour lui. Il y a Max Pax qui certes il casse régulièrement la gueule, mais c'est aussi un des rares protos qui a pris des séries à Clem en 2021. Et il y a beaucoup de TVT qui n'a jamais été son meilleur match-up. En fait, il n'y a pas de Zerg dans le groupe. Déjà, rien que ça, c'est, on le sait, c'est forcément un handicap quand ton meilleur match-up c'est le TVZ. Maintenant, oui, Max Pax il a pris des séries avec Clem en 2021, mais il n'en a pas pris beaucoup et surtout il n'en a pas pris récemment en fait. Genre, du tout, il s'est fait systématiquement tétrabash. Et bon, bah, Bunny, on verra ce qu'il donne. Je suis pas vraiment au courant de son niveau. Et spécial, bon, il est toujours fort. Mais je pense honnêtement que c'est un joueur à plan et c'est pas un joueur mécaniquement gifted. Alors ce qui peut être bien en TVT, mais il y a un moment où ça va avoir ses limites. Et la question c'est est-ce que ses limites, c'est les limites d'un BO3. Donc je suis quand même assez confiant pour les chances de Clem. Faut juste, faut pas se tromper quoi. Ouais c'est ça, faut pas se tromper. Attention ici, la pression par Max Pax elle est énorme. Avec ses 3 gates, on a les SCV en train de gérer la dep sur le côté. Mais les marines se font gratter, ok, les 3 mines vont calmer un petit peu tout le monde là normalement. Ouais. Bien joué, le petit bébé bureau, paf. Ok, c'est très bien géré cette pression de la part de Clem. Ah, il envoie le drop. Il envoie le drop, il fait vas-y, faut que j'aille dropper ces deux mines, c'est ça le plan. Max Pax qui accepte de sacrifier un tracker parce qu'il y en a trois autres qui arrivent dans le dos. Mais le tank de Clem qui devrait pas tarder à sortir, c'est trois adeptes, c'est pas trois tanks. Ouais, oh, c'est plus dangereux ici. Pour Clem là pour l'instant. Obligé de pull des boys ici, mais les boys qui sont un peu bloqués derrière les marines, c'est dommage. On va se repositionner pour permettre aux boys de tanker un petit peu davantage de dégâts. Max Pax qui va refocus sur du marine pour récupérer le kill des unités qui font le DPS réel. Sachant qu'en parallèle, on a un drop qui est en train de s'opérer. On n'est pas tout à fait dessus du côté de chez Max Pax. Si on va réagir en temps et en heure, mais peut-être quand même trop tard. Non, le ciblage sera un petit peu trop mauvais pour. Ou alors la réaction aura été suffisamment bonne pour permettre à Max Pax de limiter les pertes. 5 probes à 5 SCV de perdu, c'est donc un avantage
avantage aux joueurs Protoss, puisque les joueurs Protoss ont nécessairement plus de récolteurs en early game par rapport à un joueur Terran. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on avance dans la partie, si on pourrait avoir le temps de bureau ces deux mines et du coup à terme de les sauver. Faut juste le faire en temps et en heure, hein, dès qu'elles ont leur rechargement et du coup la capacité à être invisible une fois enterrées. Ouais, après bon, quand même, le fait que Clem ait clear la totalité des unités en bas de chez lui, ça le met plutôt bien. Donc moi j'aime bien la situation dans laquelle Clem est là, parce que 9 récolteurs de différence, c'est pas énorme. Maintenant ce qu'il va falloir comprendre, c'est en effet qu'il va y avoir le blink, il va y avoir un prisme et que ça va bourrer fort côté Max Pax. Hein. Il arrive énervé dans ce match quand même avec ce proxy gate. Il y a quand même un Nexus. Alors attends, mais il a combien de gate là? Il en a 3 j'imagine. Je pense qu'il y en a au moins 4, hein. Ça, je trouve assez surprenant qu'il en ait que 3, c'est un chiffre qui n'a pas beaucoup de sens dans la dynamique de son économie. Maintenant on verra, j'ai pas vu de tour de Warpin à 4 unités pour l'instant. Donc ça reste à terminer, 3 seulement, donc 3 gates effectivement comme tu l'avais call. 3 gates bling, donc ça va être nettement moins puissant, hein, que ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça peut rester une menace néanmoins pour un Clem qui ne serait pas forcément favorable. Ceci étant dit, on a 2 tanks qui ont l'arène, j'ai l'impression. Oui, il y en avait un caché derrière le CC, très bien. Même ouais. Le Salvatore a mis du temps à le voir, mais en même temps c'est normal quand tu n'es pas dézoomé, Sébastien. Et ici le Viking qui arrive à se récupérer quelques petites probes, ça croque sous la dent. Il fait très très mal ce Viking là. Très très mal, 5 probes, tout le minage de la B1. C'est absolument huge, excellemment bien fait de la part de Clem ce petit shift click, ce qui fait que là économiquement il se retrouve dans une situation où s'il défend proprement cette pression blink là, ben il sera largement devant le joueur français. Ouais, le problème c'est qu'il a pas de tank immédiatement positionné, hein, au milieu de sa B1, puisqu'il en a deux dans sa B2 du coup. Logique qu'on ne soit pas forcément équipé. Ici on a l'air de néanmoins décider que c'est l'heure de traverser le temps en fait d'avoir le steam et le bouclier de combat, ainsi que peut-être le 1 d'attaque. Je suis pas exactement sûr que ce dernier soit parfaitement timé pour être là au moment où on sera devant chez Max Pax, mais il sera suffisamment bien timé pour lui permettre d'être là dans une fight majeure. Ici des stalkers à droite, des stalkers à gauche, des stalkers qui vont peut-être finir par se faire attraper, mais malheureusement pas de conclusive shell, c'est normal, puisque les deux laptechs à disposition sont déjà occupés par deux autres upgrades. Ouais, y a des merci pour les resets, merci pour les raids. Oh papi papoué, attention ici, on avance, on n'a pas grand chose côté Max Pax. Hein. Oh cette petite mine qui court, plus. La mine de rien qui va tanker les shots de tracker et permettre à la bio de s'avancer un tout petit peu plus. Ouais, les medivacs qui vont finir par arriver, ce qui va autoriser la dépense d'un scan pour Clément des planches, alors que les tanks progressent petit à petit, les mines sont pas encore enterrées, du coup on peut choper un tank, mais ça coûte trop cher. Il a perdu genre 6 trackers. Il a perdu toute sa pop, oh mon dieu. C'est fini. Bon, la destruction. Allez. Destruction sur cette game en vrai. Ah, tire à l'arigot, j'ai même envie de te dire. Magnifique. Oh. Ouais. Pas dingo ce blink. C'est... Ah, il a un peu sous-estimé Max Pax là, hein, c'est. Définitivement. Ouais, il espérait peut-être qu'il y ait un tank qui soit un peu loin ou qui ne soit pas siégé, mais là, 3 tanks qui tapent dans des trackers, ça fait des chocs à pic, hein. C'est sans aucun doute. On va faire progresser justement les tanks pour permettre de se fighter contre les colosses. De manière, on peut attendre un petit peu les renforts. Le bon Max Pax qui veut warper des élots de charge dans la main de son adversaire et ça va foutre le bordel, hein. Mais ça sera pas suffisant, je veux dire, du coup il aura moins d'unités à la maison pour tenir et bon, bah pour l'instant voilà, il les fait pas ses élotes, il va finalement les produire. D'ailleurs il est toujours que sur 3 gates, il rajoute les gates 4 et 5, hein, mais bon. Il y a aussi du dégât dans la main de Max Pax, l'Observateur ne le montre pas du tout, hein, mais il y a des élotes du coup dans la main de Clem et aussi des unités dans la main de Max Pax. Ouais, c'était la Bérésina totale. Est-ce ouais. Que tu pourrais mettre ta webcam en Super Bro? Elle est déjà là normalement. Ah non, elle a pas pris sur Discord, elle est là maintenant. Dis donc. Elle est là désormais. Dis donc la webcam là. Est-ce qu'on verrait pas la petite frimousse de Clem avant d'aller voir la tienne? Bien sûr que si. Clément, bon, en vrai, c'est quasiment du pareil au même, hein. Je veux dire, on est tout aussi BG lui et moi, hein. On va pas se mentir. D'un point de vue skill, ouais, définitivement. Ouais, non, même physiquement, hein. Franchement, je pense que la principale différence, c'est la coupe de cheveux et la barbe, hein, mais sinon, tout aussi BG, quoi. Ouais, non, définitivement, ouais. Ça me paraît clair. Mais t'es super relou. Putain, il fait chier Max Pax à pas avoir de photos, quoi. J'ai envie de savoir à quoi il ressemble. C'est étrange comme spot, c'est une première dans l'histoire de StarCraft. Définitivement. Et du coup, bah ça casse un petit peu le groove, mais bon là il sort, hein. Il sort sur ce groove de toute façon, donc bon. Ça nous embête pas trop, tu vois ce que je veux dire. Clairement.
Ok, les highlights de la game, hein. Tain, par contre, il est Sébastien, il est en train de dormir, quoi. C'est là, il y a toute la séquence où il y a du dégât dans la B1 de Max Max, on l'a pas vu et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Parce que bon, la game était perdue quoi qu'il arrive, hein, mais. Enfin, s'il n'y a pas cette pression en complément, on peut imaginer que Max Max il arrive à tenir, notamment parce qu'il est en train de voir des unités de l'autre côté. Alors que bon, bah. Si on voit les unités dans la main, on sait que la game elle est vraiment 100% terminée et du coup, bah, ça contribue à raconter l'histoire. Et c'est dommage. Définitivement, définitivement. Non, pour l'instant, c'est destruction. Hein. Destruction, mon cher TKL. On va voir à quoi va ressembler la map 2. Mais pour l'instant, Clem donne l'impression d'être le soupeau Clem. Max Pax vient à lui, fait des trucs et se fait cartouche sur la totalité des axes. Mais ouais, non. Rien que le fait de dire, vas-y, c'est bon, tranquille, je peux envoyer mes deux mines en drop. C'est clean, quoi, de la part de Clem. C'est juste clean. Clean as fuck, game numéro 2 qui envoie directement sur Bokeh Industry, directement en haut à droite, représentant les espoirs d'une nouvelle génération de héros Protoss. Il s'agit du représentant danois à l'apparence secrète, jouant pour l'équipe américaine Psystorm Gaming, Thibaut Le Gall. Il s'agit de Max Pax. De Max Pax. Quand on voit une probe extrêmement tour. Oui. Très très tôt probablement pour une gate. Et opposé à lui en bas à gauche pour la team Liquid. Représentant de la mlemitude, il s'agit de Clem. Merci Crédit pour le resub. J'avais quelqu'un qui disait voilà, est-ce que ça vous a bientôt faire le swap de la chaîne. Malheureusement on peut pas te donner de date. Voilà, donc ton prime qui traîne, on t'invite à le claquer sur la chaîne de l'un des casters. Voilà, si tu souhaites quand même soutenir. Tu peux toujours faire ça et puis quand le mois prochain eh bien ça sera disponible sur le nouveau contrat de la chaîne, eh bien tu auras l'opportunité de nouveau claquer ton prime. Mais voilà, si ça se trouve ça va être dans 3 semaines et si c'est dans 3 semaines bah, en fait tu voilà, c'est un peu gâché ton prime, donc autant l'utiliser sur une autre chaîne en attendant. Définitivement. Alors gate oui. Proxy. Gate proxy de la part de Max Pax. Rapide deuxième gaz, ok, bon on a compris que la game 1 ça s'était si mal passé qu'il allait avoir besoin de proxy du void, hein, à mon avis. Clem va arriver dans la B2 de son adversaire, faire bon, il y a pas de B2, bon bah je pose pas la mienne. Oh, le scout est nickel, hein. Là Clem il a exactement tout ce qu'il faut là où il faut. Maintenant il n'y a plus qu'à poser la, voilà, super, c'est clean. Facto, supply, deuxième gaz, win. Bunker, terminé. Oh, il pose le bunker d'abord, ok. Ah non, le deuxième gaz est tombé. Non, bon, c'est une défense easy money pour l'instant de la part de Clem. Il a très bien compris ce qui se passait. La probe est restée dans le secteur. On va voir s'il met bien sa Stargate à la fin de son cyber, l'ami Max Pax. Mais je crois qu'il va falloir proposer mieux là. Il faut proposer nettement mieux. C'est bien une Stargate. Wow. Je serais presque d'avis que là, t'es vu de tellement loin. Fais-nous une true Max Pax, tu vois. Fais-nous une Max Pax 5K7 MMR qui pose sa Stargate et son robot en proxy, tu sais. Genre en vrai. Celle de l'époque, ouais. Il y avait double robot à l'époque. Ah, il y a eu double robot, mais il y avait aussi eu Stargate et robot en proxy en fait. Ouais. Et du coup, Void Ray Immortel, alors tout le monde se demandait un petit peu comment est-ce qu'il était capable d'alimenter ça seulement sur une base. Mais écoute, il arrivait à faire des trucs quand même. On va tenter de poser des batteries de bouclier. Elles sont pour l'instant hors de portée des marines. Elles ne sont pas hors de portée d'un éventuel cyclone qui ne saurait tarder à arriver sur le terrain. Déjà produit ici dans la factory, lancé dans la factory. Pas encore d'accélérateur de champ magnétique puisqu'on a préféré payer son spatioport et on préférera probablement payer un premier viking avant l'amélioration. Ah et en fait les deux batteries sont apportées des barres. Oh, ça, excellent. C'est terrible pour Max Pax en vrai. Bah c'est 2-0 hein. Ouais, ça c'est vraiment la catastrophe là. Catastrophe des plus totales. Il va commencer son pot qu'il aura pas du tout de batterie en soutien. Bon, allez hop, celle-là on la lock aussi, bonus. Oh vas-y, viens. Oh là 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 là. Il la repose sur l'autre spot, hein, il pourrait renvoyer les marines, Clem. Oh, est-ce qu'il a piégé sa probe? Est-ce qu'il est obligé de poser un assimilateur pour sortir? Ouais, définitivement. Oui. Oh là là. Oh, il va cancel. Non, mais il valait mieux poser un assimilateur, Max. Non, il est en panique totale. Là c'est trop d'émotion pour Max Pax. C'est sa première participation à un Dream Hack global, hein. Mais c'est clairement beaucoup trop d'émotion ici pour Max Pax. Ça manque d'XP. Et ça se sent.
Là, c'est, là, on fait de l'interprétation de bar, mais de pub, quoi, tu vois. Mais en vrai, juste PMU, il est à côté ouais. de son match, là. Est-ce que c'est parce qu'il a de l'émotion ou juste il est pas inspiré dans le match-up ou clamé juste beaucoup trop fort? Oui, il peut, voilà, peut y avoir aussi. Il a joué en ladder 3 fois hier, il y a eu 3-0 d'une brutalité sans nom. Il a essayé game 1, il a fait bon, ça passera pas. Il tente autre chose, hein, mais c'est sûr que. Oui, là, bon, il essaye. Il a ses batteries, il a ses EDM, mine de rien. Moi, je vois pas le graviton, enfin, je vois pas le. Pas le graviton, mais l'accélérateur dans la barre de prod. Mine de rien, ça, ça peut être un problème. Ouais. Hop, ça chope, il se le dépôt. Mais les dépôts sont déjà en train d'être remplacés, avaient déjà été remplacés, et on avance sereinement dans sa game. Lock d'une batterie bouclée. Ce serait quand même bien de se le payer, cet accélérateur de champ magnétique. Hein, bah ouais, même je sais pas pourquoi on a. C'est un peu étrange. Après bon, ça lui permet de payer un medivac, il va envoyer des marines de l'autre côté de la map et il va gagner avec, hein, on imagine. Ou alors, en tous les cas, forcer un recall, mais s'il force un recall, bah les batteries bouclées sont plus défendues. Si les batteries bouclées sont plus défendues, bah c'est la win. Alors attention quand même, on perd un cyclone ici, on a plus vraiment de marines pour tanker, donc ça met un petit peu de tension. Et puis encore une fois, on n'a pas l'accélérateur de champ magnétique, hein, donc attention en fait. Il fait beaucoup d'unités gate là, pas souvent, c'est pas ça qu'on voit souvent. Attention Clem, deuxième putain, cyclone. Oh là là, le forcing qui est excellent. Ouf. Alors peut-être Max Books. Ah Clem, il a des RP là. Hein. Bah il a pas payé son fucking accélérateur de champ magnétique et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je crois qu'il vient de se cancel un Viking en plus. Et ben on avait un sur le point de finir et je crois pas qu'il soit sorti. La batterie bouclier elle est bien en place dans la ligne de mine B1, mais elle va être targuée du coup par Clément Desplanches qui doit du coup micro-gérer désormais sur deux fronts. Là où le bon Max Pax peut laisser ses propres en un clic et les ramener en temps et en heure. Il va récolter une grosse partie de sa pop, ce qui va donner un petit peu d'oxygène, hein, à Clem. Il a plus du tout de prob, en vrai c'est un désastre pour Max Pax. En vrai Clem s'en sort bien parce que. En fait le truc c'est que faut vraiment comprendre que les cyclones c'est super hein, mais ça fait pas de dégâts s'il y a une batterie. Ça n'en fait juste pas, ça vide la batterie, ça on est d'accord. Mais bon quand il y en a 12 on s'en fout, ça caresse difficilement les couilles du Protoss quoi. Donc en fait c'est pour ça là, le cyclone vraiment sans le Maxfield dans cette game c'est de la merde quoi. Au limite arrêter de le faire si tu veux pas le faire quoi. Tu fais des vikings par deux mais. Peut-être qu'il y a un challenge tu vois. Peut-être que dans la conf des Terran ils ont dit si te proxy vaudrait tu dois tenir sans le Macfield. Parce que là il a 250 de gaz Clem, il peut y aller, hein. Ah ouais non mais de toute manière à 6 minutes de jeu c'est forcément un choix très volontaire de ne pas le faire. La question c'est pourquoi est-ce que ce choix est fait en fait. Genre parce qu'il il fait pas vraiment de sens mais c'est quand même celui qu'on fait ici. Ok, Max Pax qui a quand même réussi à mettre ses unités sur le high ground. Quelques batteries peuvent soigner sur le high ground, mais elles sont n'ont plus beaucoup d'énergie. Hein. Les batteries les plus proches de cette falaise, celles qui ont la capacité de changer le destin. Ce force qui ne changera pas grand chose, justement, au destin de la game, puisqu'il ne bloque pas la moindre unité. Et un Viking qui va s'apprêter à sortir, renforçant ainsi le DPS de la population Terran. Mais ce zélote qui survit encore et toujours. Hein. Et ces zélotes, mine de rien, ils tankent bien les cyclones, puisque ce sont des unités légères, donc ne subissent pas le dégât bonus. Et ils ont beaucoup de PV hein, aussi et surtout, oh, répare-moi ce cyclone s'il te plaît. Magnifique, oh, attention le tank, oh, évaporation du tank hein, évidemment. Ouais mais ça va aller pas le voidrait je pense. Hein. Je sais pas quand même, là il y a plus beaucoup de cyclones et du coup son tank il peut pas le refaire pour pousser les unités ground. Son bunker prend une sauce un peu quand même, c'est pas gagné. Hein. C'est non pas non, gagné c'est pour tendu. Même. C'est tendu ici en effet, un cyclone qui va sortir ici pour appuyer le DPS du joueur Terran. Attention, on focus sur le cyclone justement, il y a le bunker en appui, on va perdre un viking, on met les vikings au sol pour éliminer les trackers parce que c'est la principale unité qu'on a à disposition à l'heure actuelle j'imagine. Le libérateur qui est manifestement là pour aller sanctionner ce qu'il reste d'économie du coup de l'autre côté de la map, hein, ça serait assez peu utile ici. Les Void Ray en fait le choperaient très 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 facilement, les trackers aussi suffisamment nombreux pour cela. Ouais, Clem, il est en train de derpiner je crois. Hein. Je crois que Clem il est pas en train de faire les bons calls. Oh, attention, les cyclones qui se font target, les vikings qui se redressent, mais du coup les Void Drake ils les terminent complètement. Les cyclones sont morts. Débarque. Il reste plus qu'un viking. Rip. Max Pax va gagner cette game. Max Pax va gagner cette fucking game, j'ai l'impression, mon bon Coca. Voilà, le No Maxfield Challenge qui est un échec des plus total du côté de chez Clem. Non, c'est très weird. C'est très très weird, mais allez, bon. Il faut l'empêcher de tuer le tank. Ah, oh, les trackers sont à portée. Putain, mais comment c'est possible quoi. Bah,
pas fait son Max Field. Parce que vraiment, avec le Max Field, faut comprendre que la game a été finie. C'était. Genre, Max Pax, il pouvait micro autant qu'il voulait. Alors bon, je vois des gens qui me disent oui, ça micro bien, ça micro bien. C'était quand même une grosse box de trucs qui faisait à clic et qui reculait quand c'était la merde, quoi. Mais juste avec le Max Field, Max Pax, il s'approchait, il perdait une unité, quoi. Là, en l'occurrence. Alors, ce n'est pas la méta dans le match-up, Frozen. Je vois certains d'entre vous qui êtes genre très, très en colère dans le chat. Hein, et si vous êtes en colère, en vrai, sans vouloir vous lâcher sur lui, hein, mais faut parler à Clem, en fait. C'est Clem qui fait un choix. Hein. C'est juste Clem qui fait un choix, très manifeste. Il n'y a pas de Caster Curse non plus. Hein, c'est Max Pax, si à un moment le Macfield est recherché, il a juste 100% perdu, quoi. Ouais. Même à partir du moment où les unités commencent à arriver sur le high ground, si le Macfield il se termine à ce moment-là, c'est gagné. Hein. Tant qu'il y avait 3 cyclones. C'est ça, 3 cyclones, ça veut dire 3 unités en moins, quelles qu'elles soient, genre tracker, ouais. Tout ça, quoi. Donc. Pas compris. Non, bah c'est incompréhensible. Mais je pense que c'est quelque chose qui lui sera demandé en interview s'il se qualifie à la fin de ce groupe. Tout simplement. Match-up est ridicule. Mais les gars, non mais là, il y a vraiment pas de question de match-up ou de balance. Genre. Non, mais il y a une upgrade qui sert à défendre le truc et il a fait le choix de pas la faire. Ah ouais, genre, regardez cette fight là, bah elle est moisie du cul. Genre vraiment, elle est immonde. Les cyclones ils servent à rien. C'est dramatique. Ah ouais. Même le libérateur, c'est. Il est dans... Au moment où il fait le libérateur, c'est déjà. Enfin, il est déjà suffisamment dans la merde pour que ce soit considéré comme trop ambitieux en fait. Il y avait plein de choses à faire en vrai. Genre entre le moment où déjà il y a Max Pax qui recall cross map. Bon, tu soulèves Tarax et tu fais un réacteur. Parce que disons-le, il a jamais refait son réacteur. Il a fait les marines par 1 pendant toute la game. Ouais. Je pense qu'il s'est cru trop bien. Avec les cancels de batterie au début. Avec le drop qui fait du dégât, mine de rien, qui tue 10 probes. Je pense qu'il s'est cru trop beau et du coup il a paumé. Mais c'est une strat que tu peux jamais sous-estimer et encore moins Protoss, quoi. Nora, ce que tu peux pas sous-estimer. Directement en haut, à gauche, il a bénéficié d'un choix étrange de son adversaire, mais il est du coup toujours vivant dans ce BO3, représentant le Danemark ainsi que Psystorm Gaming, mais aussi toute la Protosserie. C'est Max Pax. Ce placement de pilote m'interpelle. Max Pui. Et en bas à droite, Team Liquid ici, il a commis une erreur, va-t-il réitérer ? Il s'agit de Clem. En vrai, un pylône comme ça, ça peut être Proxy Void. Hein. Tu penses ? Bon, parce que ta B1, t'en as rien à cirer, donc du coup... En vrai, ton SimCity B1, c'est le dernier de tes problèmes hein, quand tu fais un Proxy Void, donc du coup... Tu fais les trucs collés au Nexus et puis voilà quoi. Bah ouais, si moi, je pense si Max Pax se dit si Max Pax se dit bon bah en fait le Kido il veut pas me balancer des Macfield à la gueule, bah en même temps il aurait raison quoi. Je veux dire Proxy Voidray, si le Macfield n'existait pas, ça serait Imba hein, c'est vu que le Macfield existe. Ça va, ça reste quelque chose de pas très malin et chiant à tenir, mais en vrai ça se gère quoi. Alors que bon, si le Macfield n'existe pas ou qu'on crée des armures en scénarium à base de pas de Macfield, et ben bon bah c'est ça passe quoi. Ben, c'est beaucoup puissant Passior. Merci Passior pour les 69 mois. Du coup ça sera pas Proxy Void parce qu'il y a B2, il y a qu'un gaz. Clem est en train de scouter tout ça, prendre son info. Je crois que Clem il a traversé la carte. Hein. Bref pas. Oui il a vu. Il a vu. Là, Osgood. Oh le petit bunker. Oh ça c'est à l'ancienne. Déjà c'est rare les Reapers. Oh deuxième Reaper. Ok, Clem il est en train de faire des petits mix-up de match-up. Là on voit souvent des Marine First maintenant. Le Reaper expand c'est très très rare. Ce bunker derrière le minerai est encore plus. Et ok, ça va réussir à atteindre la ligne de minerai. Et du coup Max Pax il va devoir gérer cette mini pression. Poser sa petite batterie. Il pourra pas miner sa B2 comme il le souhaite. En tout cas pas trop vite. Ouais. J'aime bien le fait que Clem il ait pris son temps avant d'envoyer le Reaper en direction du bunker pour qu'il n'y ait pas une probe qui soit pull le plus rapidement possible sur l'emplacement et du coup faire une fucking batterie. Oh là, s'il n'y avait pas eu la shade d'accepter, il y avait moyen qu'il y ait embrouille. On joue avec le feu du côté de chez Clem avec ce Reaper dans le rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Oh les erreurs. Ouais. Oh, on veut l'éloigner de la base du bouclier. Si on arrive à choper la dev, ça serait incroyable, mais on n'y arrivera pas. Malheureusement,
Malheureusement, ici on n'y arrivera pas. Grid. Oh là 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 là. Attention, hein. Attention à pas vouloir en faire trop. On est champion d'Europe, certes. Mais Max Pax. Max Pax, faut y aller nature. Faut pas essayer d'en faire trop. Y'a pas besoin. Non, non, y'a pas besoin, effectivement. Normalement, faut rester confiant dans ce qu'on fait et ça devrait bien se passer. Là, on a pu résumer le mining du côté de chez Max Pax, même si ça continue de. Ça force la grosse batterie. Ce qui est cute shit, hein, sans être incroyable. Le Reaper va réussir à s'extraire et du coup, à terme, pourra être réutilisé pour prendre de l'information complémentaire sur ce que fait Max Pax de son côté de la map. Et notamment qu'il est en train d'aller chercher le Blink et non pas une Dark Shrine. On pourra le voir à l'animation de travail du Conseil Crépusculaire. Ouais. Ça sera, c'est une bonne info à aller chercher pour Clem. Oh, petit lag sur le clean feed. Et... Ok. Pour le moment, rien à dire dans cette game, rien de spécial. Les deux joueurs se sont un petit peu chahutés, mais voilà, il n'y a pas forcément quelqu'un qui en sort drastiquement devant. Clem ici, cela dit, qu'il prend toute l'info de scout et qu'il prend les deux kills, il va réussir à s'en sortir. No way. Débarre l'adepte nain quand même qui a trouvé son chemin dans la main et on va interrompre la construction de cet axe supplémentaire. Ça sera à terme géré par les Marines sans normalement perdre beaucoup plus de SIV que cela puisque la plupart de ces derniers sont encore en scénario de two shot face à l'adepte et du coup elle n'a tout simplement pas le temps de s'arrêter avec les Marines qui étaient à ses trousses. C'est les trousses ici du Medivac également, les babines retroussées peut-être pour aller chercher son adversaire, mais le bon Max Pax qui n'est pas né de la dernière pluie qui a vu le drop partir et qui va l'intercepter, c'est très bien joué de la part du joueur danois. Il est très chiant, oh là là là, ouais. là quand tu viens de perdre contre Void et que tu perds ton Medivac comme ça là tu te dis je suis en train de jouer au con. En fait en vrai c'est un peu ça le truc, c'est qu'il est parti dans une direction et Max Pax il a fait le call de dire il va assumer cette direction. Et chiant en fait. Ouais bah oui, très bien joué Max Pax. Très très bien joué. Ouloulouloulouloulouloulou, TKL. On se rappelle, c'est le Protoss qui avait fait le clutch la dernière fois. C'était Nib, qui était pas forcément attendu aussi pour défaire Clem. Et pour autant, Nib s'était imposé 2 à 1 en loser match. La malédiction des Masters Global. Ouah ouah. Bah on verra hein. On verra, hein. Écoute, moi je pense qu'à la fin ça va bien se passer. Je pense qu'en fait, le problème que les gens ont dans la vie, c'est qu'ils doutent trop. Les gens n'ont pas la foi. Voilà, on leur balance des épreuves pour les tester et puis ça panique. Alors que voilà, faites tel Abraham. Si Clément Desplanches sacrifie une game sur l'hôtel du McField, eh bien c'est parce que c'est nécessaire. Et il ne faut pas douter de son dessein. Bien évidemment, gloire à Clem. Roi parmi les rois. Bien sûr. 3 SIV quand même. Plus des RPM. Ok, il y a des trackers dans la B2, il y a tout dans la B1 pour Clem. Non, ça va, il y a quelques unités ici quand même. Il va être capable de réparer son Bunkulu. B3, il y a déjà 3 Nexus côté Protoss. C'est une game qui avance tranquillement. Clem le nul. Ouais. Peut-être pas jusque là. Marine Lord. Abonne-toi au lieu de dire des bêtises là, c'est bon, y en a marre. Hein. Y en a marre des bêtises, Alexis. Excusez-le. Wow, t'es chaud, mec. t'es chaud. Ton bunker, frérot. Mais enfin, frérot, répare ton bunker. Je vais éternuer. Vas-y. Bordel. Ok, petit sandwich. Non, Max Pax a vu les deux Medivac au nord, il sait que ça veut dire qu'il y a des unités avec. Ok, bon bah écoute, c'est pour l'instant très tendu du DH ce match, un partout. Le vainqueur ira jouer contre soit Spécial, soit Bunny, le vainqueur des deux. Rappelons qu'on est sur le premier match de la soirée, attention, petit Marine qui vient prendre l'info. Qu'est-ce qu'il y a? Un colosse, d'accord, une seule batterie. Tentons-nous des choses? Oh. Y'a pas beaucoup d'unités dans cette base Terran. Parce qu'elles sont toutes de l'autre côté de la map. Ça micro-gère dans le prisme de Medivac qui sort. Mais sont-ils suffisants pour aider les SIV à tenir la position? Rien n'est moins sûr ici. Le Colosse est là en train de mettre de la pression. Ces Marines qui prennent des gros coups de thermolance. Les tanks qui sont un peu abandonnés tout seuls. Cocadélic ici, ça pourrait mal se passer. Les mines néanmoins qui sont en train de courir directement au contact des unités et également au contact du Colosse de la part de ces maraudeurs. On n'arrivera néanmoins pas à le choper grâce à le pouvoir de la super batterie shield. Et on est en temps un petit peu en difficulté du coup du côté de chez Clément Desplanches. Mais si on va regrouper l'intégralité de ces unités ici sur ce flanc de la B3. Au secours, non. Débarre.
Débarre. C'est dur. C'était dur. Je suis anéanti, mec. Comme l'indique ma coupe de cheveux, je suis anéanti que le Gaulois. Putain, t'as des gros bras, mec. C'est fou. Ouais. Des grosses épaules, là. Mais on a perdu, gros. Des petites tapes dessus, là. Mais on s'en fout, on a perdu, ta gueule. Non, mais moi, je la pense France que... La France a perdu que... Non, la France tout a pas entière. Perdu. La France est en loser's match. Pas de panique à bord. La famille et les rats d'abord. Voilà. Ouais, mais bon, bonne news spéciale en TVT, et bon... Bon. Eh ben, tant pis, hein. C'est perdu, les tant copains. Tant pis, hein. C'est triste, hein. Un petit peu. Un petit peu triste. Definitely en so tous les cas, on va avoir un autre match de l'autre côté qui va être Bunny contre Spécial en TVT qui nous permettra de déterminer notamment qui est l'adversaire que Clément rencontrera dans le Losers Match. C'est juste après une petite page de publicité. A tout de suite. A de suite, les bros. I just wanna wake up and feel weightless. Most of the time I hate this. Post up all the time.